Et boum, les petits amis! Et boum! Ouais, je t'attendais. De retour. Salut Alors, Manric, et nous on va voilà de chercher de la. retour. On va chercher de la source pour essayer d'éteindre les flammes de l'historien. Exactement. On reprend sur ce putain d'historien qu'on va essayer de sauver, hein, ce pauvre petit squelette. Et oui. Je croyais qu'en plus les squelettes ça brûlait pas, c'est consternant. Bah, c'est pas un squelette, l'historien, si? Si, c'est un squelette. Bah, je suis pas sûr d'être au bon endroit. Je suis un peu loin. Moi j'étais, je suis pas allé là, je me suis TP dans Château en ruine, Marexang, Château en ruine. Et après, je suis allé dans le petit souterrain qui est juste en dessous, il y a la fontaine de source. Oui, mais j'en reviens là. Et Ah, après, ok. tu Ah, ben vas après, sur la plage? Tu après j'ai redescends? marché. Non, non, après j'ai marché. D'accord. Alors tu dis, Dragoul, que le portage de Doom sur Switch est dégueulasse graphiquement. Bah écoute, si on part du principe que Doom, à la base, c'est pas non plus... c'est censé être joli, mais sans être non plus un truc de fou, je dirais que ça va. Moi je suis du côté de Libitina, je la soutiens, c'est pas si mal. Après, je n'ai rien vu, donc mais je me dis que c'est pas si mal. Et salut Nissan GT-R. Je suis pas sûr d'être sur la bonne route. Attends. Je J'essaie suis de pas loin. voir. Si, t'es pas loin là. Ouais. Toute façon, tu il suffit juste que tu cliques dans le château, ton personnage il va y aller tout seul, hein. Ah oui, c'est ça. Le live des gens Goudinov. Oh, c'est pas si mal. Ah, David c'est Goodenough. almost. Mais j'ai pas vu, OK. hein. Le mec qui se TP et tout, c'est un dieu. Mais non, c'est Je juste. Alors, je fais péter un ouais, monstre attends, avec. je sauvegarde. Au cas où. Ouais. Et du coup, alors, ouais. Soit tu fais péter un monstre, soit tu me téléportes à côté de lui, ça fait une flaque de sang. Fais-le éclater juste sur lui en fait. Faut vraiment que la flaque de sang soit. Moi je pense, mets-toi vraiment à 2 cm de lui quoi. Tu vois, tu le colles quoi. Allez. Et du coup, bénédiction, je le fais direct juste après sur lui. Ok, bénédiction sur le sang. Oui! C'est bon, sur le sens, ça a fonctionné, Oh oui, give me five! oui. Oui, Google avait guerrier. raison. Oui, c'est ça. Merci Google. Ce qu'il Le a bien pu grand faire pour oracle votre. Google nous a encore révélé une vérité. Ah, c'est Brachius Rex qui lui a fait ça. Ah bah, je crois que c'est son armure, l'armure du tyran. Oh. Terrible things while trying to master source, bend it to his will.
I had a part in this, I must admit. Perhaps I deserve the flames. No, no, I was a scholar, a librarian. Brekker's eye unearthed knowledge of a great power within those texts. A great and terrible power. The figure's ruined flesh curls into a skull. Long destroyed, surely. Brekker's one is important to have that knowledge. He fed me to the flame. The figure slowly shakes. I will not say. I spoke of it once and was damned to eternal hellfire for it. Were I to speak of it again, my Brekker's must have failed. Had he not, the world as you know it would be gone. What I learned of could still be out there. How? Through violence? Oh, I've already suffered more than... Good! Were I to say any more, I'd only put you in danger. And stranger. Merde! Quoi? Bah, je pense que j'ai loupé le... Enfin, je sais pas si j'ai réellement loupé la discussion. Mais en gros, il voulait pas... J'ai suivi, mais elle va pas aller. Bon, le tue. Ouais, ouais. Bah, je sais pas, nous faire passer de level, comme ça. Bah là, en fait, non. Ouais, tu veux qu'on le tue, c'est ça? Mais il avait rien sur ouais, lui. Ouais, j'aime hein, pas les historiens. Je l'ai looté, il avait rien. Bon, ouais, vas-y, on bah, le tue pas pour le loot. Pour le principe. Oh, moi je pense qu'on peut rester comme ça. Peut-être qu'on va le revoir. Bon. Bon, d'accord. On reste potes, ok, très bien. Oui, voilà, faut pas. Je te sens en colère. Ah, moi je. Non, je suis à 99% de mon level, écoute. Je suis prêt à tuer n'importe quel type de PNJ pour. Et bah écoute, on va trouver un rat. On va trouver un rat et on va passer de niveau. C'est ça. Alors attends, on pourrait essayer d'aller voir les portails. Bah, il y en a un juste au-dessus là. Ici là. On peut y aller à pied. Ah, bah tu l'as vu? Ah, bon, ok. Nickel. Ouais. Ouais, mais. On peut pas l'utiliser. Qu'est-ce que c'est fait? Quel est cet objet? Miroir, mon gros miroir. C'est bon, il faut utiliser la gargouille qui est au-dessus. Ah, ok. Oh! Crâne en train de s'effriter. Hey, il y a un autre portail en face de nous. Ouais, je vois. Il y a un truc vas-y, en bas. Je le prends. Waouh. Oh, un coffre. Non. Ah, le loot. Ah, il y a des trucs à identifier. Attends, j'avais récupéré un crâne en train de s'effriter. Ok, petit loot. Ouais. Un anneau magique de 11, ça t'intéresse? Ça va. Anneau magique. Ça, je l'envoie. Anneau magique. Ah, je veux bien. Ouais, mais je te l'envoie alors. Il y a un portail plus bas. Ah, bah non, c'est celui qu'on vient de prendre. C'était que pour ce coffre. Hein. D'accord. Ok, bon, cassos alors. Allez. Oh. Alors du coup... Est-ce qu'on passe sur le côté là? On passe cette porte là? Est-ce que je... Attends, je vais essayer de la crocheter. Ah bah elle est ouverte. Elle est ouverte. Ah attends. Ouais. Ah j'ai utilisé le crâne en fait. Ça l'a ouverte. Ah bien vu. Alors là ça donne bah, sur... Je suis pas fait exprès. Ah. Alors là ça donne sur un endroit où on peut pas revenir... Ça m'a téléporté tout seul. Ah tu t'es TP? Ouais ça m'a... Tout seul. Ouais ici là. Ah bah nickel. Ah, je pense que faut faire gaffe là où on marche, peut-être. Oh putain. Tu es là, faut se téléporter sur cette plateforme. Il y a un livre de compétences. Bah, la plateforme où il y a le cadavre. Ah ah, ouais. Juste là, quoi. Ouais.
flèches d'eau. Tiens, je te les envoie. Et il y aura un livre derrière toi. Derrière moi. Ouais. La dague de nain, elle est bien. Je vais remplacer ma deuxième dague avec ça. Tiens, je t'envoie le livre compétences vierges. Je sais pas trop à quoi ça sert. Oh, c'est pas mal ça, j'ai peu vu. Armure en acier. Sauf que ça me vire géo-ancien. C'est pas grave. Livre de feu de feu vierge, ça t'intéresse pas? Ah mais Il faut avoir combiné. Ouais, j'ai un en feu. Ouais, mais ça prend pas comme ça, regarde. Faut le combiner, ouais. Donc, vas-y, on va le garder. Ouais. Ouais, on peut repartir que par ça. Hein. Ah, ouais. Excellent. Qu'est-ce que ça nous a ramené ici? Il y a un squelette en bas. On n'est pas bloqué, quoi. Ouais. Un fumigène, collier de la forêt, ok. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Non. Mon crâne s'est cassé donc. Ah mais non mais ça nous ramène à une sortie de TP, on connaît déjà l'endroit. Il va falloir que tu me téléportes parce que je suis blindé. Oui. Attends, moi je vais m'installer. Ah, il veut pas. La table de torture moyen quoi. Alors faut se retaper encore. Ouais, à moins que tu puisses l'ouvrir, ouais. Non, ça marche pas. Okay. Alors, il y a une dalle en plein milieu. Oh, ça fait apparaître un crâne. Ah, ok, j'ai pigé dans chaque pièce. Ah, vas-y, je le prends. Il y a une petite astuce pour récupérer un crâne et les crânes déverrouillent les portes. Ah oui. Alors, attends. Vas-y, je vais essayer sur cette porte-là. Bah, non, celle-là, on en vient. Ah, t'aurais dû ouvrir l'autre. Oh merde! C'est pas grave. Attends, doit y avoir un crâne. Il y a d'autres crânes. Voilà, doit y avoir un crâne dans cette pièce du coup à récupérer. Donc il y a certainement un mécanisme quelque part. Et regarde, je pense que sur cette stèle, c'est la même merde. Il doit y avoir un crâne qui doit apparaître là-dessus. Il faut trouver juste le. Ouais. Ah, t'as fait apparaître une échelle. Je pense que t'as marché sur une dalle, t'as fait apparaître une échelle. Ah non, c'était moi. C'est toi qui as marché, vas-y. Ah oui, c'est pour descendre et monter du passage. T'as bougé. Attends, on cherche le crâne. Une autre dalle. Ouais, mais peut-être qu'il y a une dalle sur la plateforme au-dessus, en fait. Ou alors, faut bien regarder dans les buissons. Attends, je regarde là où je suis... Tu vois, là où je suis, il n'y a pas de pixels de dalle, donc c'est, je pense que... Non, vas-y, mais tu vois juste un clic. Je pense qu'il faut que tu montes à l'échelle, moi, je pense. Je pense au-dessus. Peut-être dans la poussière. Hein. Ah, attends, je vois où c'est. Je vois où c'est ma poule. C'est, regarde, c'est au-dessus. C'est au-dessus de la porte en fer. T'as une grosse dalle. Donc, faut que tu TP là-dedans. Ouais, tu sais que ce portail, il nous amène à l'autre portail qui est là-bas. Ouais. Tu vois le second portail. Attends, je te ping en fait. Je dirais que je peux pinguer.
Ici, là. Ah, bah j'y suis. T'as vu où ? Et voilà. Est-ce que tu le vois, le crâne ? Je vois le crâne ! Oui ! Allez, là. Bien joué. Roi des énigmes. Ah, ah les narines pleines de... Hein, ok. Statue de gargouille. Okay. Le maître serait impressionné. Très bien, allons débloquer la zone. Mais du coup, je pense que dans la pièce de l'historien, pareil, il doit y avoir un crâne, en fait. Ah ben, je l'avais récupéré, c'était dans le portail. Ah oui. Ouvrons cette porte. Ok. Donc, ici, c'est pareil, il doit y avoir un truc. Et je vois qu'il y a celle derrière là. Il y a une trappe. Derrière les lianes, il y a une telle. Ok, la trappe permet de te... Derrière les lianes, là. Ouais, j'ai vu, ouais. Derrière les lianes, là, effectivement. D'accord. Mais est-ce qu'on peut y accéder ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors, il y a une caisse là-bas. Quand tu prends la trappe, tu es téléporté. Oui. Ah mais ici tu peux pas passer. Ah, tu peux pas passer. Attends. Je pense que il y a un vase. C'est vide. Ça va être encore camouflé dans les trucs. Careful now, that's a trap. Ah j'ai trouvé la dalle. J'ai trouvé une dalle. Est-ce que ça fait pop un crâne quelque part ? Je vois rien. Réactive la dalle ? Attends. Je suis dessus, mais ça fait que dalle. Bon, ça fait rien d'apparaître de mon côté. Attends, là il y en a une autre. Joint. Ah, ça ouvre cette porte. Ah, il y a peut-être le crâne qui est de l'autre côté. Genre ici. Ouais, mais... Merde, ça la ferme. Alors attends, faut que je pense faut que je fasse ça. Là, tac, voilà. Là, je peux passer. Ok, là, je vois une autre dalle. C'est bon! C'est bon. Merde, on est enfermé! Ok. Ok, je vais m'asseoir. Je prends les dégâts. À cause de quoi? À cause. Bah, c'est un siège de torture. Est-ce que tu préconises qu'on ouvre la porte bleue là? Non. Si. Attends. Mais est-ce, que, est-ce qu'on peut garde le faire? Je pense... pour. Je peux pas cliquer hein, sur la porte, moi. Moi, je peux. Enfin, je peux le. Tu peux cliquer sur les portes ? Ouais, regarde. Moi, j'y arrive pas. Ah, merde, tu peux. Bah, j'ai déverrouillé la porte. Ah, nickel. Mais bon, il y avait. Ça fait la caisse. Il n'y avait pas grand chose à découvrir. Ouais, ouais, il n'y avait pas grand chose à découvrir ici. Ok. Il y a toujours ici où on n'a pas trouvé de crâne. Oh, attends. Attends. J'ai trouvé. Il y a un truc. Attends, je te rejoins. Voilà. Vous avez l'air perdu, oh, et stupide et méchant aussi, et sans doute également plutôt dangereux. Du coup, je regrette d'avoir dit que vous aviez l'air stupide. Ok. Alors, je lui ai demandé s'il peut vous aider. Un petit coup sec porté à l'aide d'un objet aux vertus magiques devrait me désembrumer le cerveau. Et alors, je pourrais mentir chaque fois que j'en aurais envie.
J'ai essayé de magie sur lui. Bah, mais j'en suis bien sort. Hein. Je suis un rat, j'ai rien à vous offrir. Je peux lui filer feu sauvage sur un parchemin. Ouais, bah sinon. Moi j'ai un parchemin de restauration. Je bouge pas. Mmh. Ah, mais attends. En fait, faut mieux que je garde cette arme. Attends, pourquoi j'ai perdu des sorts hein. C'est pas ça. Mais c'est nouveau ça. J'ai un sort. Fortification, ça me donne 63 d'armure. Ah oui, c'est bien ça, fortification. Mais par contre, ça empêche les TP, les trucs comme ça. Tu peux plus être déplacé, magiquement. Ah oui, elle ne peut pas être téléportée. Ok. Par contre, j'ai plus tous mes sorts là. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Tac, 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 tac. Oh, j'ai trouvé un crâne dans un corps. Ah, cool. On progresse. Là, il y a pas mal de portes, mais je vois pas trop leur intérêt à les ouvrir. Alors je comprends pas, j'ai perdu mon sort de restauration, je sais pas comment. Je pense que ça devait être sur un parce anneau. Parce que t'as enlevé ton... Oui, t'as enlevé ton anneau magique, ouais. Je suis une merde. Bah je l'ai encore, hein, l'anneau. Ouais, tu pourras me le rendre, s'il te plaît. Ah oui. S'il te plaît. Il y a des caisses ici. Ouais, tiens. Mais il est que il est niveau 5 l'anneau. Hein. Donc, J'essaie, il est tout pourri, mais bon, il me file passe la restauration. Restauration, c'est vraiment pas mal. Ouais. Du coup, je vais lire ça. Du coup, je te file ça. Non, j'ai trouvé la tour de Bracchus, je crois. Oh! Alors, restauration. On est allé là ? Ouais, on est déjà allé, je crois. Merde. Putain. C'est fait, génial. The rat gives you a mischievous look, holds it for a long moment. Ah, see, it's totally wet. With a new bounce in its tail. On monte là-haut. Ok, bon bah le rat me dit rien. Peut-être que je vais le buter. Peut-être que je vais le buter. À mon avis, il a un crâne sur lui. C'est sûr. Voilà. Putain, ça file pas d'XP, les rats. Fais chier, putain. Bon, alors, moi j'ai un crâne, toi... Attends. Ah non, j'ai plus de crâne. Ouais, je sais pas. C'est vrai que j'avais un crâne. De toute façon, est-ce qu'on a encore besoin de crâne? Tiens, rejoins-moi. Attends, t'es où? Je suis dans la salle là où la porte vient de s'ouvrir. Ok. Derrière toi, ouais par là. Et viens, et suis-moi par ici. Mmh. Je viens d'ouvrir la porte là, ici. Ouais. Ah, nickel. Et là, ça donne sur la tour. Ah bah oui, mais c'est là où on était. On y est allé, là-dedans allé, que normalement... Ouais, je sais, ouais. Mais c'est là où il y a un objet, effectivement. Ouais, c'est là. Une des pièces d'armure. Exactement, il y a une pièce d'armure quelque part. Attends. Ah oui, on a tout fouillé, ouais. De Bracchus Rex. Bah c'est là qu'il y avait les jarres, non? Ouais, elle est où la pièce? Je vois pas. Je sais plus.
C'était là. Voilà, je suis même pas sûr que ce soit à ce niveau-là. Non, c'est pas encore plus bas, peut-être. Ah, je me souviens plus. Attends, il y a une bouche d'égout, là. C'était pas dans la bouche d'égout ? Non, c'était pas dans la bouche d'égout. Non, mais en fait, c'était on est pas sortir, dans... C'était pour sortir, je crois, là. Ouais. On n'est pas au bon endroit, là. On n'est pas au bon endroit. On a fouillé partout, ici. Je suis dans le tombeau principal. Ça a déjà été pillé. J'allume toutes les bougies de ce truc. Ça ne fait rien. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette statue... Cette statue nous invite à poser les mains dessus. Et comment faire ? Il faut l'attaquer. Bon, on n'est pas au bon endroit. Alors attends. Oh, j'ai chopé une ceinture qui donne plus 2 à distance. C'est pas la ceinture du tyran des fois. Non, je te l'envoie. Oh, elle est pas mal, effectivement. Ah ouais, ouais. Et le niveau 7. Alors attends, où trouverait la foulée du tyran dans le souterrain caché? Ouais, c'est un souterrain caché aussi en même temps. Dans la quête, la gerbe spirituelle de Fanor, dans la grande salle contre les tiens. Putain, c'est où le souterrain caché? Attends. Ah, le souterrain, c'est sur la map, je crois. Ressortons. Alors, on va. Faut juste se TP, je crois. Hein, pour ressortir. Ouais. On est où, là? Je sais pas du tout. On est. Ah oui, on est dans le. Alors, on est dans le labyrinthe. Des elfes, à proximité du camp des prisonniers de Forgeois, non loin du docteur Lest. Parlez à l'enfant nommé Maudit, il vous demandera de jouer avec lui à cache-cache, trouvez-le une première fois, puis il ira se cacher de nouveau. Invisible cette fois, partout. Bah, on va sur la grande place de Forgeois. C'est sucré. Ah ouais, allons à Forgeois, grande place. Alors, les souterrains, c'était. Je crois que c'était au sud. Ouais, entrée des souterrains, c'est au sud. Alors allons-y. On a tué tout le monde ? Ouais. Attends, c'est quoi ça ? Entrée de la grotte ou entrée des souterrains ? Ouais. Entrée des souterrains, c'est sur notre gauche. Ouais. Faut tourner à gauche, la tête tourne. Faut tourner à gauche. Oui. Et je vois. Là, c'est là. Entrée des souterrains. Ok, nickel. Alors, du coup... Ah, il y avait les limaces. C'était il y a un petit moment. Ah ouais, c'est pas... C'est cet endroit ? Non, c'est pas cet endroit. Non, c'est pas ici. Bah, cet endroit, ça... Ah. Non, c'est pas ici, mec. C'était. Tu te souviens du souterrain où il y avait une grande pièce avec plein de trésors, avec plein de pièces d'or partout. C'était ce souterrain-là. Ah, attends. Ouais, mais il y avait plusieurs niveaux de souterrain sous le château. Dans la grotte des elfes,
à proximité du camp des prisonniers de Forgeois, donc dans la grotte des elfes. Le camp des prisonniers. Grotte des elfes. Je sais pas où je suis. Hein. Je sais pas où j'habite. Merde, mais je suis où, putain? Dans le camp des elfes, c'est un... C'est là où on est allé chercher Gareth. On aura l'immense. Je vais aller voir. Non, je crois que c'est l'autre grotte en fait. Ah bon? Ouais, je crois que c'est l'autre souterrain. Encore plus au début quoi. Bah, c'est... On je peut crois toujours que c'est... aller voir. C'est juste ouais. À côté. Tu sais, c'est là où il y avait le gamin qui voulait jouer à cache-cache. Oui, une première fois, puis il ira se cacher à nouveau, devenant un vizir. Ah oui. Seigneur Fëanor, transformé en mort vivant. Vous l'avez bien longtemps. Ah, mais ça, je l'ai fait, alors attends. Vous pouvez rentrer son âme enfermée par un amphore. Vous pouvez rentrer, aller à la statue des sept et interagissez avec elle pour trouver un mécanisme caché. Ah ok, ça y est, non c'est bon, je sais où c'est mec, c'est bon. Il faut qu'on se barre, c'est pas ici. Bah c'est là la sortie. Ouais, je cherche la sortie. il faut aller dans le campement des magistères, c'est dedans. Et tu te souviens, il y avait un levier dans le souterrain. Qui donnait accès à une trappe. Et en fait, c'est dans la grande salle où il y avait trois jarres en bas, où on s'est battu contre des squelettes. C'est cette salle-là, en fait. Voilà. Donc là, c'est dans cette trappe qui est là. Voilà. C'est là. Tac. Et c'est cette statue. Can't say I like what you've done with the place. Alors là, ils disent d'un grand sac qu'on en fait. Donc il me faut beaucoup de perception. Et j'ai une potion de perception. Ah. Voilà. Au fond de fissure sur la main droite de la statue. Grattez la fissure. Et ah, bim. Un truc qui vient de dropper là. Foulée du tyran. GG. Touche la statue de Cthulhu. Très bien, ça c'est fait. Alors ensuite, le plastron, appelé le cœur du tyran. Alors attends, j'ai quoi là? J'ai foulé. On a le casque. On a l'anneau. Et les mains. Non, mais l'anneau ne compte pas dans... Ah bon? Dans le set. Ouais. D'accord. L'anneau, il servait juste à découvrir le set. Mais est-ce qu'il compte dans le 6? Oh! Je te laisse le temps de la comprendre. Si tout à l'heure t'avais compté l'anneau, ça veut dire qu'on avait que deux pièces alors. Alors, le plastron appelé le cœur tyran, vous le récupérez dans la chambre forte de Bracchus Rex au cours de la mission Le complexe souterrain de Bracchus Rex. Complexe souterrain de Bracchus Rex. Je crois qu'on y était tout à l'heure. Cœur du tyran. Ah, il y a un truc que j'ai pas identifié. Évideur. Oh, ça fait mal ça, ma petite dame. Ah. C'est une dague? C'est un évideur. Ah, c'est l'épée à deux mains que tu m'avais trouvée. Eh, hey, tiens, je veux bien ta ceinture de vertu, là.
en attendant. Dis donc, ouais, bah, ma vertu, tu l'auras pas comme ça. Non, non, mais c'est la ceinture. Ah, je veux bien ta ceinture de vertu. Alors, le complexe souterrain de Bracchus Rex. Ah, mais... Ok. Alors, on ressort. Ça, c'était... c'était pas dans le labyrinthe? Dans la tour? Non. C'est justement... Bah, c'est aussi l'autre endroit que l'on cherche. Donc, il faut déjà ressortir. Mm-hmm. Et c'est cet endroit où il y avait justement cette grande pièce de trésor avec une salle avec plein de jarres aussi, où on a libéré des esprits. Et ça... C'est, ils disent, vous trouverez sur la plage au crocodile le journal de Magilla, qui du coup dedans révèle le complexe souterrain de Bracchus Rex. Et du coup, ça doit être peut-être marqué sur la map. Point de ralliement de Garrett, armure de Bracchus. Je me suis perdu. Il y a pas un TP dans le coin? Bah moi je me suis TP à la plage, ouais. Du dragon, peu importe. Par contre, il faut juste retrouver où est ce souterrain. Ah, on pourra en profiter effectivement pour aller se mettre de la source. Tu as raison, je vais me rapprocher de toi. Il y a beaucoup de la source comme ça, j'en aurais, mais alors putain, ce complexe souterrain, il est où, putain? Attends, pour la source, c'est château c'est, en ruine. C'est château en ruine, ouais. C'est pas là des fois? Non, c'est pas ça. Avec ce souterrain de Bracchus Rex. Est-ce qu'il peut y avoir une map sur Google? C'est tellement plus simple. Alors. Qu'est-ce que c'est? C'est au bord de l'eau, apparemment. Il pourrait nous lâcher les pièces d'armure deux par deux. Hein. J'avoue. Ah, il y a lui qui était en décomposition. On pourrait le bénir, ce mec, non? Ouais. Tu le fais? C'est parti. Du coup, faut le healer. Voilà. Non, faut pas le healer, il est en décomposition toujours. D'accord, attends, je peux faire bénédiction. Si tu veux le healer, faut lui balancer du poison. Ouais, mais on lui a fait bénédiction. Ouais, mais ça lui a pas enlevé des compositions. D'accord. Il y a moyen d'enlever des compositions. Oui, mais lui, il a l'air de l'avoir tout le temps, quoi. Ah non, ça marche pas. Ouais, j'ai enlevé une flèche de poison, ça lui a enlevé de l'armure magique. Ah, il est maudit, ouais. Ouais, normalement, pour enlever la malédiction, ça aurait été bénédiction. Ouais. Il s'appelle Magister Sang, vas-y. Magister Sang. Ouais, je me rappelle, on avait béni le levier et ça avait ouvert la herse. Ah, ils disent purger. Purger, j'ai pas moi, purger. C'est le bâton de purge. Ah si. Ouais, avec la baguette, ouais. C'est le dernier coup, quoi, mais ouais, on peut. Tu veux qu'on sauvegarde? Ouais, vas-y, on tente une petite sauvegarde. J'équipe. Et on purge. Oh, trop tard.
Attends, au moment où je m'équipe, il crève. Ah, tu l'as même pas fait, en fait. Non, j'ai pas eu le temps de le faire. Vas-y, remets la... Ouais, on va recharger. Ah, on est passé de level. ouais. Bon, de toute façon, on sait qu'on passe de level avec lui. T'as lancé un sort sur lui? Non. Ah, ça se trouve, il crève de lui-même. Ah, c'est possible. Ouais. Quand je m'équipe de la baguette, il voit la baguette et il se suicide. Vous n'aurez pas mes XP. Apparemment, bénédiction ne marche pas. Ah oui, c'est vrai que la compétence purge, tu la débloques quand tu t'équipes de la baguette de purge. Et t'as même pas besoin de points de sort pour lancer le sort, je crois. Je n'arrive pas à trouver. Peut-être qu'il est pas soignable, mais ça paraît étrange. Bon, apparemment, faut le buter, hein, d'après ce qu'ils disent, donc... ouais, c'est on tente ce pas à purge, là. Ah, en plus, il perd sa vie. Il est cuit. Ah, il est cuit, dans tous les cas. Donc, gain de niveau. Je suis en train encore de charger. Ah, d'accord, bah il est mort. Ouais, le temps que tu charges, le mec, il est déjà mort, donc... mémoire. Je vais augmenter mes emplacements. Et j'augmente intelligence aussi un petit peu. Ensuite. Alors. Téléportation, c'était aéroturge. Ouais. Attends, je crois que j'avais des bouquins. C'était quoi? Ah, il y avait les tirs dans le ciel. Tirs dans le ciel. Transforme la cible en poulet. Je pourrais me mettre ça. Ah, j'ai ça, ouais. Mais est-ce que c'est intéressant pour les tous les deux? Et en fait, il faut enlever... Ah non, c'est l'armure physique qui résiste à ça. Ouais, c'est pas mal, balle de boulet. Ça remplace une attaque normale, quoi. Ouais, par contre, ça recharge en 6 tours. Hein. C'est vénère. Je pense que je vais prendre tir dans le ciel, en fait. Histoire qu'on soit un peu polyvalent. Voilà. Du coup, okay. je vais te rendre ce bouquin. Il n'y aura qu'à le vendre. Ok, et j'ai ça encore. Ah! Ah, on peut augmenter un truc, une aptitude. Ouais. Je te conseille opportuniste si tu l'as pas. C'est ce que j'ai pris. Ah, armure vivante, ça permet de récupérer à la fois de l'armure physique et quand tu utilises des potions ou des sorts de soins, ça te régène de l'armure. Ouais, ça. Bourreau, t'as 2 points. En fait, j'aimerais bien augmenter les PA, en fait. Ah, les PA, c'est avec
lucidité ou comment ça s'appelle, feu sauvage, qui donne hâte. C'est un pouvoir de feu. Ah, jeu du mouchoir vous permet d'esquiver des attaques d'opportunité. Lève tôt. Lors de votre résurrection, vous récupérez tous vos points de vie. Pour esquive. Attaque d'opportunité, effectivement. Et effectivement. Sangsue vous soigne lorsque vous vous tenez sur du sang, c'est pas mal ça aussi. Je peux me soigner dans mon propre sang. Oh, taille XXL vous confère immédiatement 2 points d'attribut supplémentaires à dépenser. Ce qui est marrant, c'est que je sais pas les trucs que tu m'as dit tout à l'heure. Du genre. Bah, les trucs qui donnent des PA, je les vois pas, ce que tu m'as expliqué. Ça s'appelle Feu Sauvage. Ouais, je l'ai pas. Je te l'envoie si tu veux en parchemin. D'accord. Je l'envoie en parchemin et ça existe aussi un livre de ça, je pense. D'accord, mais c'est mais pas dans les aptitudes. Non, faut booster le feu. Non, c'est une voie du feu. Ok, donc bourreau, en fait, c'est quand je tue un mec, ça me procure 2 points d'action supplémentaires. Ok, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je vais prendre. Je pense que sans suisse, pas mal en fait. Ça fait des récupérations de points de vie gratos. C'est pas mal. Ok. Alors, faut trouver cette grotte. Faut trouver cette grotte. Donc c'est au bord de la plage, apparemment. Plage des dragons. À côté d'un navire, ouais, je sais pas, je regarde. Ah non, à côté d'un navire, c'est plus au sud. L'entrée, c'est un navire échoué. Je regarde, je parcours la map. L'alcôve, je crois que c'est le coin des elfes. L'alcôve. Ce serait ça. Il n'y a aucun TP dans le coin en plus. Donc on n'est pas trop allé voir. Attends, j'ai trouvé. Ah non, l'alcôve, c'est pas le coin des elfes, c'est le. Non, c'est le coin du. Où le magicien nous avait proposé de TP avec le gant qui nous donnait le sort TP. C'est ici.
tu vois mon ping? Je te suis. Il est en dehors de la carte, mais... Oui, je le vois, oui. Ouais. Ouais, c'est il est tout au-dessus. Hein. Bon, j'y vais à patte. Ouais, t'as juste à cliquer à cet endroit-là, ton perso, il y va direct, en fait. Il va tout seul. Ah, on a trouvé.